Maggie, Président. nous avons atteint les limites de notre patience. On va devoir activer notre réseau pour faire tomber ton protégé. La patience est la force des grands hommes. La patience a des limites, Maggie. Elimba doit signer ses accords ce jour même, sinon il n'est plus gouverneur de Makwa. J'avoue que je suis déçu par l'attitude d'Eli. Mais pour quelle raison as-tu choisi un poulain qui ne peut pas t'obéir? Le pouvoir change les gens. Et nous, on change des gens au pouvoir. Je vous en prie. Signez d'abord les 40% et progressivement, nous allons le mettre dans notre poche. Il n'y a pas de 40% qui tiennent. C'est 60% où ils dégagent. Non. Je pense que Maggie a raison. Quoi? J'espère que tu rigoles. Non. Je pense qu'il faut signer ces 40%. Elimba est très enthousiaste. C'est un gouverneur qui veut séduire son peuple, donc avec le temps, il va se calmer et après, on l'aura dans notre poche. Merci, Touré. Croyez-moi, les dames, ça, c'est une très mauvaise décision. Exactement. Et nous allons tous le regretter. Non. J'ai espoir. Et je vous prie de faire confiance à mon intuition de femme. S'il vous plaît. Je suis fière de la position de cette femme. Mais pour quelle raison est-elle souple vis-à-vis d'Elimba? J'attrape ce rigot, va nous entendre ici au quartier. Ma, faut le laisser. S'il continue, je vais régler son problème. S'il continue, il va te tuer. Regarde-toi. Il est comme le baobab, toi comme une brindille de balai. Didi. C'est comment, voisine? Ça ne va pas, voisine. Je vois vraiment flou. Je suis dans le brouillard. Le pays ici est devenu compliqué. Nef. C'est comment? On dirait que ça ne va pas du tout. J'ai eu... Elle a juste une petite fièvre. Voisine, j'ai urgentement besoin de ton aide. Voisine, si tu as besoin de sel, je n'en ai plus. Mais si c'est de lui dont tu as besoin, j'ai encore quelques gouttes. Non, j'ai besoin d'un prêt d'argent. Tu as besoin de combien? 100 000 seulement. Tu as dit combien? 100 000. Et c'est 100 000 que tu dis seulement. Voisine, je prends 100 000 où? Si j'avais 100 000, c'est que je vis encore dans le quartier-ci. Pardon, ne te moque pas de moi. Me moquer de toi comment? Ta fille sort avec le fils du gouverneur et tu manques 100 000. Pardon, voisine, je n'ai pas. Si j'avais, je te donnerais. Toi-même, tu sais. C'est vrai que c'est l'argent qui sépare les gens. Nous sommes voisines depuis des années. Maintenant que ta fille a gagné le jackpot en sortant avec le fils du gouverneur, tu veux déjà nous oublier. Ok, c'est pas grave. Nefeti, je ne veux pas mourir. Tu dois rapidement arrêter cette relation.
Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Puis-je vous aider? Je suis Akono, le copain de votre fille Kinfak. Le copain de ma fille? Et depuis quand? On est ensemble depuis la classe de terminale. Prenez place. Merci. Te voilà. Tu as tellement traîné. Ton petit copain est là. Petit quoi? D'où tiens-tu cette information? Mais c'est comme ça qu'il s'est présenté. Papa, ça c'est une ancienne histoire du lycée. Lui et moi, on ne sort plus ensemble. Mais Kefa, comment tu peux dire ça? Et toi, comment tu oses te présenter à mon père ainsi? Mais parce que j'ai toujours des sentiments pour toi. À quoi on sort de chez moi? Ma fille, attends un peu. Parfois dans la vie, le dialogue est nécessaire. Je ne dialogue pas avec les gens qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Je n'avais même pas rendez-vous avec toi. Mets-toi dehors. Excellence, vous m'avez demandé. Oui, est-ce que tu as vu la secrétaire générale numéro 1? Non, Excellence. Ah, j'appelle son bureau, ça sonne dans le vide. Où est-ce qu'elle peut bien être? Aucune idée, Excellence. Bon, ok, vérifie son bureau, retrouve-la moi, je vais la voir. À vos ordres, Excellence. Me voici. Tu n'as toujours pas répondu à ma préoccupation. Je suis opposant. Je ne peux pas habiter dans une maison offerte par le parti au pouvoir. C'est l'argent du contribuable et non l'argent du parti au pouvoir. Hors de question. Mais promets-moi de ne plus critiquer le gouvernement pour le bien de notre couple. Je suis opposant. Je dois faire mon boulot. Le fait que ma femme soit dans le gouvernement ne m'empêche en rien de faire mon travail. Hein? Et ton statut d'opposant ne doit pas nous empêcher de vivre le bonheur. Tu as échoué, ma soeur a réussi. Ne sois pas jaloux et aigri. Toi, tu sors d'où? Ne t'ai-je pas interdit d'entrer dans cette maison? Hein? À présent, je te demande de faire tes clics et tes claques. Et va-t'en d'ici, que je ne te revoie plus. Ne reviens plus jamais. Allez. Plus vite que ça. Je ne peux pas passer tout le temps à t'expliquer les mêmes choses. Quoi encore? Pour être gouverneur, il faut faire des compromis. Mais c'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Tu ne le fais pas suffisamment. J'ai reçu la visite du réseau. Tu as fait revenir Kuitu sans mon consentement. Le réseau, on en a déjà parlé. D'accord. Puis tu quittes Makoakan. Ce monsieur est le père de Kenfak Yolande. La jeune universitaire qui a battu campagne pour moi.
Elle a refusé un poste de délégué. On peut au moins faire ça pour elle. Et c'est maintenant que tu me le dis? C'est maintenant que tu demandes. Je n'ai pas besoin de te demander. Tu dois tout me dire. Parce qu'en plus d'être celle qui t'a mise au pouvoir, je suis ta chérie. Même comme tu me négliges. Depuis ton élection, je suis presque en jachère. Maggie, mon amour pour toi est toujours intact. Hein? Il n'a même pas pris une seule ride, malgré le temps qui passe. J'aime t'entendre parler ainsi. Ça me donne envie de t'embrasser. C'était qui? Le chef du protocole. Ah, ça va. Il est au courant pour nous. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Je suis surprise que la première dame vienne défendre notre dossier. Moi aussi. Mais je pense que c'est un plan fomenté par Elimba pour se rapprocher de moi. Mais c'est peine perdue parce que je ne me rapprocherai jamais de lui. Bisek, tu ne vas pas éternellement garder la même position, encore moins la même rancune vis-à-vis de ton père. Tu as dit quoi, maman? Je dis simplement que ta position doit évoluer. Tu oses l'appeler mon père? Un homme qui m'a abandonné avant même que je n'arrive au monde. Oui, mais c'est ton père et ça ne pourra jamais changer. C'est mon géniteur et non mon père, maman. Comme tu voudras, mais laisse la première dame m'aider. Son intervention au tribunal me redonne l'espoir de profiter des biens de mon père. Maman, je veux juste que justice soit rendue. Je n'ai jamais demandé de faveur à qui que ce soit, et encore moins à la famille Elimba. En tout cas, que ce soit Elimba ou Fatima, si quelqu'un me donne quelque chose, je prends. Tu me dégoûtes, maman. Et toi, comment t'as pu laisser entrer Ngobo alors que j'étais ici avec Maggie? Excellent, je ne pouvais pas savoir. Comment ça, tu pouvais pas savoir? Tu es le chef du protocole, tu es censé savoir qui entre dans mon bureau à tout moment. Mais Excellence, la présidente de l'Assemblée régionale n'a pas besoin de protocole pour vous voir. Et en plus, vous m'avez envoyé chercher la secrétaire générale numéro 1. Tout le monde a besoin de protocole pour me voir. Et si tu es absent, tu prends des dispositions en conséquence. Tu as la liste de tous mes rendez-vous de la journée? Désolé, Excellence, cela ne va plus se reproduire. Ok, en attendant, ta maladresse a tout foutu en l'air. Sors de mon bureau. Maintenant, je fais comment? Madame la première dame, vos invités sont déjà là. Bienvenue, maman. Alors, comment allez-vous? Allah est grand, ça va bien, merci. Par la grâce de Dieu, ça va bien. Tu as bien fait de donner la maison à Maïmouna. Elle est tellement fière. Elle est bien contente. C'est justement pour ça que je vous ai fait venir ici. Il y a changé d'avis? Non. La maison est à Maïmouna.
C'est dossier classé. Et désormais, vous allez vivre ici, au palais, avec moi. Quoi? Tu es sûre? Oui, maman. Il est bien vrai que le palais est très grand, très beau. Mais je ne saurais quitter ma maison. Je l'aime beaucoup. Maman Dongo, soit tu viens vivre ici au palais avec moi, soit c'est moi qui viens vivre avec toi à la maison. Oh. Repos. Excellence, monsieur le gouverneur, que se passe-t-il? J'ai une urgence familiale, là, je dois sortir. Excellence, nous n'avons pas été notifiés à ce sujet, donc vous ne pouvez pas sortir. Non, mais tu es malade? Je te dis que j'ai une urgence familiale. Je comprends, Excellence, mais aucune disposition sécuritaire n'a été prise pour votre sortie, donc vous devez attendre. Attends, mais tu es qui, toi, pour oser me demander à moi d'attendre? Je suis le gouverneur, l'autorité suprême de cette région. Je n'ai pas dit le contraire, Excellence, mais je suis l'une des personnes chargées de votre sécurité. Je dois m'assurer que votre sortie n'ait aucun incident. C'est mon devoir. C'est ce pourquoi je suis payé. Oh, de quel incident tu parles? Je suis pressé, là, je dois sortir. Désolé, Excellence. Veuillez attendre que le système de sécurité se déploie sur votre itinéraire. Vous pouvez rejoindre votre bureau ou encore votre résidence. Nous vous ferons signe quand tout sera OK. H67, sécurité du gouverneur. Tu viens voir ma famille quand? Au moment opportun, je te le dirai. Le moment opportun, là, c'est quand? Parce que depuis que tu tournes, moi, je sais pas. Il faut me dire la vérité. Hein. Entrez! Tu fais quoi ici? Tu veux aussi prendre cette maison? Je viens en paix. Donc toi aussi, tu connais la paix. Kana, il faut qu'on cause. Vas-y, parle. Je viens te présenter mes excuses. Je n'étais pas convaincu que Bissek était la fille du gouverneur jusqu'à ce que la première dame de la région vienne au procès te soutenir. Bonjour, ma fille. Hey, qui est ta fille? C'est au tribunal qu'on réglera ce problème. Vous avez voulu qu'on aille loin, non? Nous irons le plus loin possible. Ma fille, une solution à l'amiable est toujours conseillée. Nous avons décidé, vu le temps que nous avons exploité les biens de papa, de remettre tout entre les mains de notre sœur. Non, non, je ne suis pas d'accord. Chaque enfant a droit à l'héritage de grand-père. Vouloir tout donner à ma mère, c'est injuste. Bissek, écoute-moi avant de parler. Maman, chacun aura ce qui lui revient de droit. Pas de favoritisme, ni de défavoritisme comme ils l'ont toujours fait depuis la mort de grand-père. En tout cas, nous ne voulons plus de procès. Et nous allons partager équitablement les biens de notre papa. La famille est sacrée. Qu'est-ce que tu reproches à ce garçon? Je ne sors plus avec lui. Lui et moi, on n'est plus ensemble. Pourquoi c'est si difficile à comprendre? C'est difficile à comprendre que tu laisses tomber un garçon de ton âge et qui t'aime, hein, pour aller t'enticher avec un homme marié. Les choses ne sont pas aussi simples. C'est pourtant simple. Tu restes avec le garçon de ton âge qui t'aime et tu laisses le mari d'autrui tranquille. Papa, laisse un peu ma vie privée tranquille. C'est compliqué, tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre parce que toi-même, tu ne veux pas expliquer. Quand je suis arrivée en fac, je n'avais pas les moyens pour payer mes études. Et je ne voulais pas arrêter. C'est comme ça que j'ai rencontré Elimba, qui m'a soutenue jusqu'en thèse. J'ai voulu le quitter, mais il était très bien placé dans la haute administration. C'est pour cela que je me suis dit que pourquoi pas, il peut m'aider à te faire revenir. C'est comme ça que notre relation est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. «
Tu as terminé tes études. Et je suis déjà de retour au pays. Alors tu n'as aucune raison de continuer à sortir avec ce monsieur. Tu vas arrêter de sortir avec lui. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Fin de la discussion. Tu n'as pas honte? Mais calme-toi, chérie. Ne m'appelle pas chérie. Tu n'as pas honte de sortir avec une aussi vieille femme? Elle a l'âge de ma mère. En fait, elle est même plus vieille que ma mère. Ah, je comprends pourquoi Maggie a toujours été aussi nerveuse quand elle nous voyait ensemble. Je pensais que tu me faisais passer pour la femme du général Gaston juste pour éviter les soupçons de ta femme. Mais là, je me rends compte que c'était aussi pour tes autres chéries. Tu es ma seule chérie, Espérance. Oh. Crois-moi, je serai vraiment la seule. Parce que ta Maggie, là, je vais la mettre à sa place. Oh, je te conseille d'éviter Maggie. Ah bon? Tu la défends? Tu la protèges? C'est toi que je défends, c'est toi que je protège. Tu me connais très mal. Je suis assez grande pour me défendre toute seule. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta Maggie. Parce que je vais la foudroyer. Et ça, de la pire des façons.